America is on the move again. Есть и другие соображения. La revue de presse internationale sur Europe 1 au Chili et aux Pays-Bas ce matin. Première étape, le Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. À la une à Rabat. Ce qui retient l'attention des journaux marocains, c'est la visite de Benny Gantz, prévue cette semaine à Rabat. Média 24 explique que le ministre israélien de la Défense est impatient de se rendre dans le royaume, et cela un an après la reprise des relations officielles entre le Maroc et Israël. Yabi Ladi indique que cette visite sera notamment marquée par les accords de coopération militaire. Le Maroc veut produire avec son nouveau partenaire des drones kamikazes, précise Challenge. L'opinion quant à lui évoque le projet d'une base militaire commune au nord du pays, ou encore l'achat par le Maroc d'un dôme de fer, ce système de défense aérienne qu'Israël utilise pour détruire les roquettes tirées depuis Gaza. Une chose est sûre, déclare Express, la venue de Benny Gantz ne passera pas inaperçue du côté d'Alger. Selon le journal, le partenariat militaire entre le Maroc et Israël va donner des insomnies aux généraux algériens. Merci Alexandre. Au Chili maintenant, nous rejoignons Naïla Dorouané. Bonjour Naïla. Bonjour. De quoi parle-t-on à Santiago ? De l'élection présidentielle de dimanche, avec un résultat qui met en évidence les déchirements du pays, c'est la fin d'un cycle politique qui laisse le pays divisé en deux, titre le journal en ligne El Mostrador. Deux candidats radicalement opposés sont arrivés en tête du premier tour. José Antonio Kast, un conservateur d'extrême droite, outsider selon le journal La Tercera, car il a battu l'actuelle coalition présidentielle avec 28% des voix. Mais il est suivi de très près par le candidat de la gauche progressiste, ex-leader étudiant Gabriel Boric, qui a appelé à l'unité des démocrates, écrit la Radio Bio Bio sur son site. Toute la presse parle aussi du candidat indépendant Franco Parisi, qui a créé la surprise en remportant 13% des voix. Son soutien à l'un ou l'autre des deux candidats pourrait être crucial pour le second tour, analyse Radio Bio Bio. Merci Naïla. Enfin, aux Pays-Bas, nous rejoignons Isabelle Horry. Bonjour Isabelle. Bonjour. À la une, à la haie ce matin. Eh bien, ce sont les émeutes anti-Covid qui ont agité le pays ces derniers jours. Des moments de pure violence déclenchés par des idiots, selon le Premier ministre Marc Rutte hier. La presse cherche à comprendre ce qui s'est passé. Selon la chaîne publique NOS, la crainte que seuls les vaccinés et les guéris puissent désormais sortir a joué un rôle dans la colère des jeunes qui se sont violemment heurtés à la police. Ne plus pouvoir aller voir un match de foot et ne pas pouvoir tirer de feux d'artifice pour les fêtes aussi, selon un spécialiste en sécurité publique. Les jeunes voient le temps qui ne reviendra jamais leur glisser entre les doigts, résume l'éditorialiste du quotidien de Volkskrant. Il y a une deuxième pandémie derrière le corona, raconte le NRC Handelsblatt. Une épidémie de stress, d'incertitude et de frustration. C'était la